Salut à tous, c'est Fabkik, donc les gars, comme vous savez, nous sommes bien le mardi 24 novembre, donc les gars, comme vous savez, bah voilà, le DLC arrive le 15 décembre, du moins, si tout se passe bien, bref, non, je déconne, donc le DLC arrive bien le 15 décembre, donc les gars, comme vous le savez, en ce moment, ouais, pour se faire des thunes, c'est pas évident, à part, voilà, un ou deux glitchs en solo qui traînent, donc moi, vous me connaissez, voilà, comme les glitchs ont été postés, moi et le poteau Roosevelt Zone 51, jeudi dernier, quand Rockstar nous a donné 6 missions avec le yacht, donc les gars, malheureusement, on aura besoin du yacht. Si vous avez le yacht, ben, vous devrez lancer la mission Brise de Glace. Donc moi, je l'ai fait avec le poteau, donc on était à 2. Et on s'est fait 10 000 RP et presque 60 000 dollars. Donc là, les gars, je suis seul. Peut-être que j'aurai beaucoup, bah, peut-être un tout petit peu moins, puisque je vais tuer un petit peu moins d'ennemis. Mais le principal, c'est de le faire et de l'enchaîner. Donc les gars, moi je pense que Rockstar risque de nous laisser les missions pendant 15 jours. Puisque le dernier DLC qu'on a eu, bah, un petit peu avant, on a eu des missions. Bah, en fait, ils nous ont laissé les missions créées par Rockstar pendant 15 jours. Donc c'est pour ça que je me permets de la poster. Comme ça, si... au cas où jeudi on les a encore une semaine, bah vous aurez au moins la mission, bah pour l'enchaîner. Donc les gars, je viens de la lancer. Le but, c'est de partir avec cet hélicoptère. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'appeler votre d'appeler Pegasus et d'appeler un buzzard d'attaque pour arriver sur les lieux. Donc les gars, je vous montre où se situe la mission et ensuite je coupe la vidéo et je reprendrai à la fin. Donc les gars, bonne vidéo et puis à tout de suite quoi. Avec le buzzard d'attaque, j'ai capté que je pouvais le faire beaucoup plus vite. Par contre, on peut pas prendre la MK2 puisque la mission part du yacht. Voilà. C'est pour ça qu'on peut appeler que le buzzard d'attaque. Bah, du moins un véhicule armé. Mais comme ça se situe sur les toits, bah, c'est le buzzard d'attaque. Donc regardez, le point jaune est là. Par contre, ils vont nous dire de vous, ils vont vous dire de vous poser là et regardez. Voilà. Donc à partir de là, il faut pas se poser. Hein. Donc c'est 75 RP par tête de... bah quand tu as un PNJ. Voilà, regarde, mettons tu te poses là, puis c'est parti, tu sors le sniper et voilà. Oh la tête. J'allais me faire décapiter. Donc voilà, c'est les caisses là qu'il faut exploser. Hein. Donc voilà les gars, là j'ai tout explosé. Mais bon, une fois qu'on a tout explosé, c'est pas terminé. Maintenant il faut aller chercher le fourgon pour le ramener au point de destination. Et ensuite c'est terminé. Donc le plus gros y est fait, hein, maintenant ce qu'il faut c'est tracer. Et c'est là que c'est intéressant, quand on est à deux, au moins vos collègues peuvent tuer bah, les PNJ rouges. Comme ça, ça vous fera plus de RP. Tandis que là, je suis seul, il va falloir que je trace.
J'essaye de me faire des RP quand même. Donc suspense, vu que je suis seul. On va dire que ça se prend, donc je suis seul. Avec le poteau, on s'est fait presque 10 000 RP plus presque 60 000 dollars. Donc c'est ça en fait. Donc moi je pense que je vais la poster quand même. Voilà. Donc voilà les gars, bah, j'espère que bah, cette vidéo vous aura fait plaisir. Voilà, j'essaye de vous poster des choses pour que vous puissiez vous faire un peu d'argent pour le DLC à venir, en sachant qu'on ne sait pas encore combien il va coûter. Mais bon les gars, il faut faire tout avant le 15 décembre. Donc les gars, voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires, et surtout n'hésitez pas à la faire, parce qu'on peut le faire en illimité. Donc là je l'ai faite, si je veux je peux la refaire. Donc les gars, voilà, logiquement c'était presque 59 000 dollars, mais on était à 2, là je suis seul, donc c'est à peu près ça. Voilà les gars, donc sur ce n'hésitez pas à le faire, passez une très bon après-midi et je vous dis à bientôt sur les jeux. Allez, ciao les gars, ciao.